Bonjour chers amis. Né en 1738, le 22 juin pour être précis, de conditions modestes à Clermont-Ferrand, Jacques Delisle manifeste dès son jeune âge un incroyable talent de versificateur et poète. Dès 1770, sa gloire est assurée lorsque paraît sa traduction des Géorgiques de... C'est bon, les gens ont compris que t'avais un fils qui s'appelait Virgile. Je peux y aller maintenant ? Dans votre chambre, vous. Okay. Les Géorgiques de Virgile. Dès lors, il va de triomphe en triomphe jusqu'à son élection à l'Académie française en 1772. Mais le maréchal de Richelieu, petit-neveu du célèbre cardinal, s'y oppose en faisant pression sur Louis XV, au prétexte crétin que Delisle est trop jeune, 34 ans. Notre Jacques est réélu et reçu sous la coupole en 1774. Jacques Delisle, bien que propriétaire d'une abbaye, n'a jamais porté la soutane. On l'appelle parfois cependant l'abbé Delisle. Pendant la Révolution, il s'exile et il rentrera au Bercail en 1802 et publiera ses poésies fugitives. Heureux celui qui près de toi soupire, qui sur lui seul attire ses beaux yeux, ce doux accent et ce tendre sourire. Il est égal aux dieux. De veine en veine, une subtile flamme court dans mon sein sitôt que je te vois. Et dans le trouble où s'égare mon âme, je demeure sans voix. Je n'entends plus. Un voile est sur ma vue. Je rêve et tombe en de douces langueurs. Et, sans haleine, interdite et perdue, je tremble, je me meurs. Considéré comme le plus grand poète de son siècle, on ne lui donne comme rival que Voltaire, il décède le 1er mai 1813. Son corps est exposé pendant 3 jours sur le lit de parade au Collège de France, le front ceint d'une couronne de laurier. Chers amis, je vous dis à bientôt. Ciao.